Le théâtre est enfin accessible aux personnes sourdes et malentendantes grâce au surtitrage des pièces de théâtre. Cette mesure a été mise en place par le département de la culture en partenariat avec le Suisse Télétexte. Vous vous appelez comment ? Harold Chisholm. Rappelons que le surtitrage se présente sous la forme d'un écran projetant le texte d'un spectacle qui nécessite d'être spécialement adapté. Oui, absolument, oui, peut-être, non, non, absolument. Tu es prêt, Harold ? Première question. C'est vrai que cette promotion donc, du département de la ville de Genève quant à l'accessibilité donc, des personnes sourdes au théâtre, c'est un grand pas avec les sous-titrages. C'est vrai que c'est extrêmement important pour nous de pouvoir participer au théâtre comme les autres personnes. C'est vrai qu'avant, c'était complètement impossible lorsqu'il n'y avait pas ces sous-titrages. Nous n'avions pas du tout d'accès à la culture théâtrale. Et c'est vrai que depuis que j'ai vu cette pièce et que j'en ai vu une autre, j'ai envie vraiment de continuer et de participer à ce type d'activité. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je viens au théâtre. Je n'ai jamais connu cette expérience. C'est la première fois que je vois une pièce de théâtre avec sous-titrage. Et vraiment, j'ai été fascinée. Je me suis dit, eh ben voilà, je suis à égalité avec le public qui entend. Et vraiment, j'étais très, très contente. Au théâtre, c'est rare d'utiliser du surtitrage. On le fait plus souvent à l'opéra, évidemment, puisque on utilise des langues étrangères, donc on traduit l'italien ou l'allemand. Au théâtre, on le fait peu. Là, sur une expérience comme celle-ci, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de caler au plus juste, c'est-à-dire de tenir compte des spectateurs qui ne sont pas forcément malentendants, mais qui peuvent être amenés à lire les surtitres. C'est-à-dire d'essayer de ne pas devancer, par exemple, une réplique et d'arriver à donner, par les répliques qui s'enchaînent dans le surtitrage, à donner également un rythme. En tant que directeur d'une institution, c'est vrai qu'on a envie de permettre à tous les spectateurs, quels qu'ils soient, de pouvoir profiter de notre travail d'artiste. Et c'est vrai que souvent, en mettant en scène, l'aspect visuel du spectacle est également musical. Et que si on arrive à faire partager ça au plus grand nombre, alors cette initiative est évidemment à défendre. Le surtitrage offre de belles occasions de passer une soirée au théâtre avec un parent ou un ami en situation de handicap auditif. Renseignez-vous sur les dates des pièces surtitrées sur le site www.ville-genève.ch, rubrique Handicap et Culture.